Il était une fois, dans un pays fort lointain, un jeune couple qui n'avait pas d'enfants et qui rêvait d'avoir une petite fille. Au bout de quelque temps, la jeune femme attendit un enfant. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle vit de belles réponses qui poussaient dans le jardin d'à côté. À partir de cet instant, elle ne pensa plus qu'à une chose, manger une de ces salades. « Je crois que je mourrai si je ne peux pas manger une de ces salades. » La jeune femme n'avait plus d'appétit pour rien d'autre et commença à perdre du poids. Si bien que son mari, qui était de plus en plus inquiet pour elle, finit par lui promettre de lui en rapporter un beau bouquet. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais aller t'en cueillir, d'accord ?»« Mais enfin, c'est beaucoup trop dangereux, tu le sais !» La maison voisine appartenait à une terrible sorcière et le jardin était entouré de hauts murs que personne n'osait franchir. Le mari rassembla tout son courage et escalada le mur. Puis il sauta dans le jardin et cueillit une poignée de réponses. Sa femme mangea la salade avec grand appétit et commença à se sentir un peu mieux. Malheureusement, une poignée ne lui suffisait pas. Le lendemain, le mari retourna donc dans le jardin voisin. Mais cette fois, la sorcière l'attendait. Ça alors, comment osez-vous vous introduire sans permission dans mon jardin pour venir me voler mes réponses ? Ma femme est enceinte et depuis qu'elle a vu vos salades, elle ne veut plus rien manger d'autre. Vous auriez quand même pu me demander la permission, c'est la moindre des choses. C'est que nous avions peur, je ne pensais pas que vous accepteriez, pardonnez-moi. Que je vous pardonne ? Mais au contraire, vous méritez d'être puni. Si ma femme ne peut pas manger de vos salades, elle va dépérir et jamais nous n'aurons notre enfant. Pitié ! Bon, très bien, dans ce cas, faisons un marché. Vous pourrez prendre autant de salades que vous voulez dans mon jardin, mais ceci à une seule condition. Aussitôt que votre bébé sera venu au monde, je viendrai le chercher et pour toujours, il sera à moi. Terrorisé, le mari accepta immédiatement son offre. Quelques mois plus tard, le bébé vint au monde. Aussitôt, la sorcière arriva et emporta la petite avec elle. Elle appela l'enfant Réponse, du nom des salades qui avaient tant fait envie à sa mère quand elle l'attendait. La sorcière prit grand soin de la fillette. Quand elle eut atteint l'âge de 16 ans, Réponse était devenue une belle jeune fille. La sorcière décida alors de l'enfermer dans une haute tour au milieu des bois. Il n'y avait aucun escalier à cette tour et sa seule ouverture était une petite fenêtre qui se trouvait tout en haut. La sorcière n'avait jamais coupé les beaux cheveux blonds de la jeune fille. Et quand elle lui rendait visite, elle l'appelait d'en bas. Réponse ! Réponse ! Réponse ! Mon enfant, descends-moi tes cheveux ! Je monte te voir. Alors Réponse déroulait sa longue tresse blonde et la laissait tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippait à la tresse comme à une corde et montait en haut de la tour. Plusieurs années passèrent ainsi. Un jour, un prince traversa la forêt pour aller à la chasse. Passant non loin de la tour, il entendit la voix de Réponse résonner dans les bois. Cette voix est merveilleuse, se dit-il. Et il continua son chemin en direction de la voix. Arrivé au pied de la tour où vivait Réponse, il regarda de tous côtés, mais ne trouva ni escalier ni aucun moyen d'entrer.
Subjugué par la beauté de la voix qu'il avait entendue, le prince revint chaque jour à la tour, sans jamais trouver comment y monter. Un soir, alors qu'il s'approchait de la tour, il aperçut la sorcière qui attendait en bas. Réponse ! Réponse ! Réponse ! Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroula sa tresse blonde et la laissa tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippa aux cheveux et monta tout en haut de la tour. Le lendemain, à la tombée de la nuit, le prince revint à la tour et, changeant sa voix, « Réponse ! Réponse ! Réponse, mon enfant, descends-moi tes cheveux, je monte te voir !» Voyant pour la première fois de sa vie quelqu'un d'autre que sa mère, Réponse fut d'abord un peu effrayée. Vous n'êtes pas ma mère? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vous ai entendu chanter. Je suis tombé amoureux de votre voix. Je voulais simplement savoir à qui cette jolie voix appartenait. La jeune fille, touchée par les paroles du prince, fut aussitôt rassurée. Chaque soir, le prince revenait voir Réponse, sans que la sorcière s'en aperçoive. Et un beau jour, il lui fit enfin sa demande. Réponse, voulez-vous m'épouser? Réponse accepta avec joie la demande de son beau prétendant. Mais la jeune fille ne savait pas comment sortir de sa tour. Soudain, elle eut une idée. Elle demanda au prince de lui apporter un morceau de tissu à chacune de ses visites. En attachant les morceaux de tissu les uns aux autres, Réponse entreprit de fabriquer une corde. Mais un jour, alors qu'elle était un peu distraite, la jeune fille laissa échapper une parole qui la trahit. Mère, comment se fait-il que le prince monte plus vite que vous? Comment? Quel prince? Quel prince? Alors la sorcière comprit que sa fille lui cachait quelque chose et entra dans une colère noire. Comment as-tu osé me trahir? Traîtresse, quand je pense que j'ai tout fait pour te protéger de tous les terribles dangers du monde! Incapable de contenir sa rage, la sorcière saisit les cheveux de Réponse et les coupa. Puis elle envoya la jeune fille seule dans un désert lointain. Ce soir-là, la sorcière attendit en haut de la tour que le prince arrive. Au bout d'un instant, elle entendit le jeune homme appeler d'en bas. Réponse ! Réponse ! Descends-moi tes cheveux ! C'est moi, ton prince ! La sorcière fit descendre la tresse qu'elle avait coupée le long du mur. Ignorant ce qui l'attendait, le prince commença à grimper. Arrivé en haut, voyant la sorcière à la place de Réponse, il comprit qu'un malheur était arrivé. La terrible femme se précipita vers lui, si bien qu'il trébucha et perdit l'équilibre. Tombé dans les buissons au pied de la tour, le prince resta en vie. Mais les épines lui crevèrent les yeux et le pauvre jeune homme perdit la vue. Le prince aveugle erra longtemps dans la forêt, les yeux pleins de larmes, à la recherche de réponses. Il se nourrissait de plantes et de fruits qu'il trouvait dans les bois. Il marcha si longtemps
que ses pas finirent par le conduire dans le désert où Réponse vivait. C'est alors qu'une chose extraordinaire arriva. Il entendit un doux chant non loin de lui et reconnut aussitôt la voix de sa bien-aimée. C'est la voix de Réponse. Il marcha en direction de la belle voix tout en appelant. Réponse ? Réponse ! Réponse ! La jeune fille reconnut elle aussi la voix de son prince. Mon prince ! Alors elle s'élança vers lui. Enfin, ils s'étaient retrouvés. Heureuse de revoir son bien-aimé, Réponse le prit dans ses bras et versa des larmes de joie. Les larmes de la jeune fille tombèrent sur les yeux du prince. Et soudain, il se produisit un véritable miracle. Le prince ouvrit les yeux et recouvra la vue. Réponse était tellement heureuse. Ensemble, ils se rendirent au royaume du prince, où tout le monde les accueillit avec joie. Et ils vécurent heureux pour toujours. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, fais oura, oura. Si tu as de la joie au cœur, fais oura, oura. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, fais oura, oura. Si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh, y a des centaines de vaches, ia ia oh, y a des meufs par-ci, y a des meufs par-là. Y'a des me, y'a des me, y'a des me dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh, y'a des centaines de canards, ia ia oh, y'a des coins par-ci, y'a des coins par-là. Y'a des coins, y'a des coins, y'a des coins, 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 coins dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh, y'a des centaines de chevaux, ia ia oh, y'a des i par-ci, y'a des i par-là. Y'a des i, y'a des i, y'a des i dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh, y'a des centaines de moutons, ia ia oh, y'a des bêtes par-ci, y'a des bêtes par-là. Y'a des baies, y'a des baies, y'a des baies, 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 baies dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh,
par-ci, il y a des ouf par-là. Il y a des ouf, il y a des ouf, il y a des ouf, 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 dans la ferme à Mathurin. Chacun s'en reprend. Je connais.